Good morning, allez, Yiden, Moadi, Vesim, Khal, et tu sois aujourd'hui le Lunish Matrif, Kabasra, Rachel, Rachel, Basra, Yosef, Ben, Massim, Khal, Zarabad, Massal, Tom, Chif, Bortish, Giakov, Ben, Blanche, Hadjaj, Chaim, Eliyahu, Ben, Shalom, Louski. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Baba Tra, Perik, Dalet, Mishnah, Chet, Amocher, Et Asade, Machar, Et Avanim, Shehem, Le Tzorka, Vet, Akanim, Shebakerem, Shehem, Le Tzorko. ואת התבואה שהיא מחוברת לקרקע, ואת מחיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע, ואת השומירה שאינה עשויה ביתית, ואת החרוב שאינו מורכב, ואת בתולת השקמה. Le même principe que toutes les missions précédentes, lorsque l'on vend quelque chose de grand, quelles sont les choses annexes qui sont incluses dans la même vente, avec cette fois-ci celui qui vend un champ. Alors, selon le même principe, il faut d'abord définir quelle est la fonction de la chose que je vends, et tout ce qui sera annexe, fixé au sol, avec un cas particulier qu'on verra ensuite, mais annexe et fixé au sol en tout cas, alors c'est vendu tacitement avec. Tout ce qui n'est pas annexe, forcément, qui a une autre fonction, même si c'est certes utile, alors ce ne sera pas vendu. On évoquait par exemple le cas lorsque je vends une maison et qu'il y a à côté un petit atelier de travail, l'atelier de travail n'est pas vendu. On va voir ici le même principe, adapté cette fois-ci dans un champ, et on lit, on traduit directement. Amocher et Asadeh, celui qui vend un champ. Il a vendu les pierres qui sont nécessaires pour le champ. On parle de quoi concrètement? On parle de pierres qui sont entreposées pour construire une barrière. Et on apprend là dans la Mishnah que ces pierres sont vendues. On a un petit problème technique, c'est que ces pierres cette fois-ci elles ne sont pas fixées au sol. Or ce qui n'est pas fixé au sol, ça ne doit pas être vendu. Mais il y a une exception à la règle, on l'a déjà évoqué, ça a déjà été mentionné, je ne sais plus où exactement. Mais en tout cas, un objet que l'on peut transporter ailleurs, mais qu'en tout cas, toute sa fonction, toute son utilité, c'est d'être utilisé ici et pas ailleurs. Ce n'est pas l'usage de prendre ce bien mobilier, d'aller l'utiliser ailleurs. C'est un cas particulier, c'est ce qu'on se retrouve ici avec des pierres qui sont entreposées à côté d'un lieu où on doit construire une barrière, donc autour du champ, je dois construire cette barrière avec ces pierres. Ces pierres-là, ce n'est pas l'usage de les prendre et de les déplacer pour aller ailleurs, même lorsqu'elles sont encore, elles ne sont pas encore fixées au sol, elles sont vendues. C'est une exception. Et on continue avec le deuxième cas, avec le même principe. Ve'eta kanim sheba kerem shem letzorko. Kerem, c'est le vignoble. Et là, on fait donc la vigne. La vigne, elle a la particularité, c'est un arbre qui ne sait pas s'élever de lui-même. Il a toujours besoin d'aide. On a l'usage, vous verrez souvent dans la Torah, on parle de sukkat kanim. Dans Balak, là-bas, on parle de sukkat kanim. Le principe, il est que on prend des tasseaux, des canim, en l'occurrence, c'est des roseaux, on les plante, on fait une sorte de petite cabane, et comme ça, la vigne, elle grimpe dessus, et elle peut s'étaler dessus. Et alors là-bas, de nouveau, si on a fait ces petites cabanes, ou bien si on a des roseaux qui sont entreposés à côté de la vigne, alors ils seront vendus aussi tacitement. D'accord ? Et donc, si je lui vends un champ, et le champ, il a des céréales qui sont plantées, qui sont en train de pousser. On parle de céréales qui ne sont pas forcément arrivées à terme. Le cas sera un peu différent sinon. Mais en tout cas, de la céréale qui est plantée au sol, elle est vendue aussi tacitement. Vet mechitza takanim shei pruta mi bet rova. Alors, mechitza takanim, il y en a qui disent qu'il faut dire chitza takanim. Le principe, attention, on parle d'un endroit où il y a un coin du champ où il y a plein de roseaux qui sortent de la terre. Alors, le principe, regardez, on l'avait déjà vu, c'est ce que j'évoquais au début de la Mishnah. Lorsque l'on vend une maison, par exemple, une pièce annexe qui ne remplit plus la définition de la maison, c'est une chambre de stockage, par exemple, ça ne remplit plus une définition de maison, ce ne sera pas vendu. Mais là-bas, on apprend une petite différence. Selon la taille, ce sera oui ou non vendu. Par exemple, une pièce annexe, un petit atelier, un endroit où je stocke, ou là-bas, un petit dépôt. Alors, s'il est petit, une petite taille, alors même s'il est à côté de la maison, il est vendu avec la maison, dans la mesure, on parlait d'un cas particulier où il y avait le seul accès, c'était par l'intérieur de la maison. En tout cas, le principe là-bas, il était que cette pièce annexe, elle est, puisqu'elle est petite, elle est vendue. Mais dès qu'elle devient importante, elle n'est plus vendue parce que moi, j'étais vendu une maison, je n'étais pas vendu un dépôt. Le même principe ici, de nouveau. Lorsque je te vends un champ, je te vends un champ et je ne te vends pas un lieu où poussent des roseaux. Les roseaux, ce n'est pas un champ. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas tellement approfondi, c'est en ce moment les vacances, j'aurais bien voulu mieux ouvrir plus de livres. Mais en tout cas, le principe grossièrement, il est là. Là,
un champ, c'est un endroit où est-ce qu'on cultive. Là où les roseaux poussent, c'est pas quelque chose qu'on coupe et qu'on replante, c'est quelque chose qui est toujours là en train de pousser, on le laisse tel quel. Et donc ce n'est pas vendu naturellement lorsqu'il y a une grande taille. Et là, la Mishnah bien nous dit malgré tout, lorsque c'est une petite taille qui fait une taille d'un bet rova, bet rova, on a déjà expliqué, ça correspond à quoi cette superficie. Alors, ça provient du fait, c'est la densité. Bon, on va pas allonger dessus aujourd'hui. Peut-être une fois, je suis très en retard aujourd'hui, je suis complètement. Enfin. Donc, chez Iprota, mi bet rova, donc c'est une taille bet rova à cave. Une petite taille, c'est quoi? Le Tifa d'Israël rapporte que ça fait l'équivalent de 10 amot et demi, disons, au carré. D'accord? Une petite taille, c'est vendu tacitement. On apprendra à le début de la suite de la Mishnah. De la prochaine Mishnah, ça va être de reprendre tous les cas qui sont opposés à ça. On précisera davantage. Veta Shomera Sheena Asuya Betit. Idem aussi, la petite cabane du gardien, elle est aussi vendue tacitement, à condition qu'elle ne soit pas construite en ciment, titre. D'accord? Shomera, ça vient du Sukkat HaShomer, c'est la petite cabane du gardien. Et Bitnai Shena Asuya Betit, à condition qu'elle ne soit pas faite avec du titre du ciment. Donc, c'est une petite cabane, comme ça, négligeable, elle est aussi vendue, elle ne représente pas un lieu indépendant. Par contre, on apprendra dans la prochaine Mishnah que si elle est faite en ciment, alors elle sera vendue. Et c'est deux choses. Petite introduction d'abord. Lorsque je vends un champ, j'ai vendu aussi tous les arbres qui sont dedans, même les arbres fruitiers. C'est normal parce que dans un champ, on peut aussi planter des arbres fruitiers. C'est une fonction du champ. Le principe est clair. Il y a malgré tout deux arbres qui font exception. Deux arbres qu'on a déjà rencontrés plusieurs fois. Le charouv et la théna. Charouv, c'est le caroubier. Et la théna, c'est le figuier. Ce sont des arbres. Quand vous les voyez, ceux qui sont en Israël, ils peuvent les voir. Il y en a beaucoup à Yerushalayim. Et c'est des arbres qui s'étalent, qui s'étalent énormément. Et alors là, ils prennent un shem acher, ils prennent un nom différent. Lorsque je te vends un champ, on n'inclut pas naturellement dans le champ quelque chose qui a une fonction très importante, tel qu'un figuier ou un caroubier. D'accord? Ça, c'est le principe général qui n'est pas encore écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, pour le moment, notre Mishnah s'occupe de nous dire les sortes de caroubiers et de figuiers qui sont vendus avec. Alors, un petit peu d'agronomie. Pour pouvoir avoir un caroubier ou un figuier robuste, il y a des techniques. Il faut d'abord le laisser planter. Et il pousse naturellement, il fait sortir ses branches un peu dans tous les sens. Jusqu'à quel point il commence à vieillir, à devenir robuste. Et alors là, il y a deux techniques. Pour le caroubier, pour qu'il puisse ensuite devenir un bon caroubier, qui donne des bons fruits et tout ça, dès qu'il a commencé à vieillir un petit peu, on le coupe et on prend un nouveau caroubier et on le plante à l'intérieur du tronc. Ça s'appelle le charouv mourkav et le charouv sheino mourkav. Le charouv qui est le mourkava, qui est croisé. On parle de croisement, je ne sais pas, dans les arbres, il y a une autre technique, je n'ai pas cherché aujourd'hui, quoi, en tout cas. Donc on prend, une fois qu'on a coupé le caroubier, on replante à l'intérieur une branche de caroubier et alors là il va se mettre à pousser avec beaucoup plus de pêche, il va devenir très robuste. Et le figuier, il a le même principe aussi, on le laisse pousser en vrac, il envoie un petit peu ses branches dans tous les sens, et puis il y a un certain moment où on va commencer à lui couper toutes les branches, et alors là il va redonner des nouvelles branches qui vont devenir beaucoup plus fortes et donner des fruits plus conséquents. Selon ce principe, le caroubier et le figuier jeunes, ils seront naturellement vendus parce qu'ils ne représentent pas un lieu différent dans le champ. Lorsque je te vends le champ, je te vends tous les arbres fruitiers, et donc même le caroubier, même le figuier. Mais à partir du moment où on a fait ces techniques-là pour les rendre maintenant très robustes, alors ils prennent un shem acher, ils prennent un nom différent, ils deviennent une entité indépendante, ils ne sont plus inclus dans le champ. Selon le même principe que lorsque je te vends une maison, je ne te vends pas une pièce annexe qui a une autre fonction, là c'est un peu le même principe. Avec une petite nuance quand même, c'est-à-dire, lorsque je te vends le champ, je te vends ce qu'on appelle le champ. Or, s'il y a une pièce à part, ou quelque chose de différent, que les gens ne qualifient pas, n'incluent pas dans le mot champ lorsqu'ils parlent, on ne dit pas aux gens, d'accord, ça devient une entité à part, et donc c'est plus vendu tacitement. C'est le principe, et on fait maintenant le Bartenura. A avanim shem letzorka, les pierres qui sont nécessaires pour le champ, la sot geder, qui sont faites, posées, entreposées pour en faire une barrière. Donc elles ne sont pas pour le moment montées. Ce que je vous expliquais, c'était expliqué explicite dans le Tiferet Israël.
dans le Tosef Yom Tov. Vet akanim, les kanim, c'est donc les roseaux, chez Koshrim, Bahem, Agefanim, que l'on attache avec elles les vignes. D'accord ? Comme ça on expliquait, les vignes pour qu'elles poussent, qu'elles puissent s'étendre, on a là-bas des roseaux. Vet mechitsa takanim, alors c'est quoi le mechitsa takanim qui est vendu dans la mesure où elle a une petite superficie ? Alors, kanim harbe gedelim bekel achechad, beaucoup de roseaux qui poussent dans un seul lieu, d'accord, dans un seul endroit. Kshei pruta mi betrova, si la taille est inférieure à un betrova, azhi betela legabe asade, alors elle est annulée, négligeable avec le champ. Elle est inclue tacitement dans la vente. Shomira, c'est quoi la shomira? Sukat shomrim amechubret la karka betit. C'est la petite cabane des gardiens qui est fixée au sol avec du ciment. C'est-à-dire, avec du ciment d'Afka, elle n'est pas vendue. C'est intéressant pourquoi le partenaire a rajouté ce mot. Peut-être qu'il a fixé avec du ciment et construite avec du ciment. Je ne sais pas s'il y a une différence. Il faut voir. En tout cas, et à Charouv. Donc maintenant, c'est l'histoire avec le caroubier et le figuier. Alors, le Charouv, c'est le caroubier. Beba Charuto, lorsqu'il est jeune. Shadain Lourkav, qui n'a pas encore été planté, donc croisé, si on traduit littéralement. Dirshemazkin, parce que quand il devient Zaken, quand il vieillit, Mitgaber, il devient plus fort. Umar Kivinoto, et alors là, on a l'usage de le croiser, de le renforcer avec des techniques. Veyesh lo Shem Bifneatsmo, et alors là, il aura un nom indépendant. Il sera plus considéré comme quelque chose de négligeable avec le champ, mais il deviendra une entité indépendante. Velo batil, les gabei sadeh, il ne sera donc plus annulé, considéré naturellement avec le champ, il sera une entité indépendante, donc il ne sera plus vendu tacitement. Vet betulat ashikma, idem aussi avec le betulat ashikma, le figuier qui est betula, comme une jeune fille, on appelle le shikma. Shikma, c'est un figuier. C'est un des noms du figuier, quoi. Et betulat ashikma, c'est un figuier betula, jeune fille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu toute cette histoire d'être travaillé comme le bâton d'or vient de dire. Mais Bacharuta, lorsqu'elle est encore jeune, Bachur. Kodem Shechatru Anafea, avant qu'il coupe ses branches. Dirche Mazkin, parce que lorsqu'il va vieillir, l'usage il est que Kotsesin Anafim, on coupe les branches. Vegedelin Harbe Bimkomo, et après ça lui permet de produire encore plus de branches, de faire sortir encore plus de branches. Vekarui Sadan Ashikma, et il s'appellera alors le Sadan Ashikma. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine de Hatzlan Ham, Adi Messim Rakot.